Bonjour, bienvenue sur l'Argus.fr. On découvre la Volkswagen Arteon, une berline atypique qui prend place dans la gamme au-dessus de la Passat. L'Arteon, c'est dynamique, cette berline basse est haute en couleur. Avec cette teinte jaune curcuma, ça change du gris traditionnel. L'Arteon, c'est de la puissance, avec 280 chevaux en essence, 240 chevaux en diesel et une transmission intégrale 4Motion pour la motricité. Les arêtes dynamiques nervurent le capot et vont en direction de la calandre qui est basse et large. Oui, mais cette calandre, elle est haute, elle est statutaire, elle se démarque nettement du reste de la gamme Volkswagen et ça permet de dire que l'Arteon, c'est chic. On va tout de suite le voir à l'intérieur. À bord, on a l'élégance d'une berline basse avec peu de hauteur sous plafond, mais il y a aussi un niveau de finition qui est très bien, avec ici des plaquages de bois, des touches chromées. C'est le mobilier de la Passat, mais de manière plus élégante, plus exclusive. Et puis on va le voir aussi d'un point de vue technologique. On a un grand écran tactile de dernière génération avec 9,2 pouces de diagonale. Et puis devant le conducteur, une interface 100% numérique et un affichage tête haute. L'Arteon, ça s'apprécie aussi à l'arrière, avec énormément d'espace aux jambes, il y a pratiquement jusqu'à 50 cm. Quand on a un grand gabarit, c'est pas forcément mon cas, mais quand on fait plus d'1m90, on est aussi à l'aise, parce qu'en fait, le secret de l'Arteon, c'est que c'est une Skoda Superb berline qui a été recarrossée. La Superb, c'est quand même la référence en termes d'espace intérieur, et bien justement, l'Arteon en bénéficie elle aussi. L'Arteon, c'est pratique, elle a une cinquième porte, le haillon, que n'a pas la Passat berline, et en même temps, il y a un grand volume de coffre, très accessible. Alors on l'a vu, cette Volkswagen Arteon, elle a plusieurs personnalités, du sport, du chic et du pratique. Elle sera commercialisée à partir du 15 juin 2017. Les prix n'ont pas encore été officialisés, mais l'estimation, c'est autour de 37 800 euros. Et puis nous, on vous donne rendez-vous très bientôt sur l'Argus.fr.